savoir si lors du prochain arrêt de jeu, Monsieur Zimmermann viendra avertir Strasser. On va voir si lors du prochain arrêt de jeu, Monsieur Zimmermann viendra avertir Strasser, parce qu'alors là, il est vraiment sorti. Sebastian Wüthrich, herrlich, wie er Mancherotti umspielt.
der Wüthrich. Doch war sein Freistoß Stefan Bell, der die Abwehr gut führte heute Abend. Bell und Hotzic konnten zusammen mit den beiden Außenverteidigern Hussein Suleiman. Tête de Gengele, tête de Ogel. À la lutte, Wüthrich et Carlitos, les deux, il y a une faute. Non, l'arbitre ne sanctionne pas. Alors Carlitos reste au sol, Brown il est à la limite du hors-jeu. Hein. Et le l'est pas, Brown toujours. Oh, Brown, et bonne intervention de Constance. D'une faute, Barella, c'est un coup franc, il l'a cherché d'ailleurs. Ça, c'est de loin, il va le tenter Wüthrich. Et directement. Dans les mains de Costanzo, il fallait quelqu'un, il fallait que Gavranovic pousse, balayé par le vent, sans sur le terrain. Balle en profondeur, ouais, attention, il faut se méfier de Brown. Il suite de voir, ils sont faits un peu trop vertement, et encore, l'adverbe vertement est-il totalement insuffisant. Attention, les balles loin là. Ordre. Ouais, je vois plutôt Wüthrich, et c'est Wüthrich. Wüthrich laisse dans les 16 mètres, sorti au point de Costanzo. Dégagement mauvais de Stocker, balle récupérée par Wüthrich et de Gilles qui fait Wüthrich. Centre de Wüthrich, le petit coup de coin. Non, elle sort en touche. Mais joli le homme qui va monter, et qui est Safari. Safari passe en direction. Ouais. Non, il n'y a pas faute. Bonne intervention défensive de Wüthrich. Et balle et cette fois. C'est qu'il est redoutable dans le jeu aérien. Bonne sortie de Costanzo qui met cette balle en coup de coin. Cette fois, ce sera de l'autre côté. Streller s'est également replié. Tous les Ballois quasiment sauf Stocker. Et conduite de Grenoble pour Varela. Et coup franc qui va botter Varela. Au premier poteau, une tête de Carlitos. Récupération, Costanzo. Une mêlée dans les 16 mètres. Et dégagement chaud, chaud. On voit le corner bien voté par Varela. La, les dégagements et puis la balle. Costanzo qui saute en même temps que Belquet tombé. Et finalement, eh bien, balle s'en sort sans trop de dommages. Et la balle, Nuzzolo en profondeur. On va donner qui se précipite là-bas. Ouais, mais il perd. Ouais. Alors que les Neuchâtois réclament une faute de main et c'est pénalty. Ah là là, oui ou non? Et avertissement, avertissement, et oui, avertissement, là c'est que nous, hein. On revoit le centre, ouais, mais c'est sévère le pénalty, c'est sévère, il ne fait pas du tout exprès, la, Varela s'élance, Varela tire, et met Constant, 16 mètres, une tête de Ismaël, la balle sur Wüthrich, Wüthrich toujours aux prises avec Frey. Les deux hommes à la lutte et la balle est sortie et elle est sortie par le numéro. Il n'y a pas eu de réelles occasions de but d'un côté comme de l'autre jusqu'à présent. On est dans le premier quart d'heure. Il va falloir réagir pour les Neuchâtelois, prendre le jeu un peu en cette partie, plus du côté de Neuchâtel. Deux fois un double avertissement qui a valu une exclusion, plus un carton rouge. Dans les rangs Neuchâtelois, qui est Neuchâtelois depuis un petit moment maintenant. Tentative sur le poteau. Ouais, quelle bonne frappe là les Neuchâtelois. Les Neuchâtelois finalement sont vraiment sans dominer le match, loin de là. Bien se créent des occasions. Et c'est une nouvelle fois Nuzzolo qui frappe avec ce ballon qui rebondit, qui est toujours très difficile. Nuzzolo. De l'autre côté pour Varela, le changement est. Nuzzolo, il y a beaucoup de monde là dans l'axe des 16 mètres. Et une tête recroît et de nouveau le poteau. Ah là là, les Neuchâtelois et Varela en l'occurrence, on a entendu le mot qu'il vient de dire. On ne nous le traduira pas, en tout cas on ne vous le dira pas si vous ne l'avez pas entendu. C'est monté jusqu'en haut les tribunes là, cette tête arrière.